Et bienvenue dans cette minute utile du musicien. L'autre jour, pour moi, il y a 5 minutes, mais je vous ai composé un peu en direct, hein, j'avoue, hein, je me creuse pas trop la tête, je me dis, je vais juste essayer de trouver des petites choses qui peuvent leur faire du bien et qui peuvent être jouables tout de suite. Donc si vous débutez la guitare, il n'y a pas de raison que vous galériez à faire des la mineur et des mi et des do et des sol au début, il faut d'abord jouer. C'est pour ça que je vous conseille de jouer en arpège au début. C'est ma façon de faire, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai quand même eu des beaux résultats avec ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se casser le dos à faire des sols et des do, vous n'arrivez de toute façon pas à enchaîner au début. Et donc il y a des gros trous, ça fait. Mais là, tout le monde est parti au resto, hein. Donc le but, c'est pas de faire ça. Le but, c'est plutôt de commencer à se fortifier les doigts, se donner un peu des choses dans l'oreille, se faire du bien à la confiance et au plaisir. Et puis, dans un deuxième temps, bah, on fera des accords. On les apprendrait, on apprendra des rythmiques. Mais au début, il faut prendre du plaisir. Et pour ça, il n'y a pas mieux que les arpèges. On dérouille un peu la main droite et ça marche tout de suite. Sur le site, il y a plein de PDF là-dessus, dans deux catégories qui s'appellent grand débutant. Et l'autre catégorie, c'est aussi une guitare, une chanson. Où là, j'ai réarrangé des chansons hyper connues pour... Il y a Yesterday, des Beatles, il y a quoi, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans Grand Débutant, tu as aussi un morceau de Keane, une chanson de Keane qui est super. Enfin, il y a plein de chansons comme ça, super. Tu peux vraiment kiffer pour... C'est fait pour les débutants, mais c'est arrangé pour que tu sois beau. Ok, c'est pas juste un truc pourri. Oh, il y a des bateaux à moteur maintenant, ça y est. Bon, on s'en fout, hein, c'est la nature, hein, les bateaux à moteur. Hein, c'est une espèce en voie de disparition maintenant. Donc on a fait un premier truc qui s'appelait comme ça, qui faisait. Ok, ça je vous renvoie à la vidéo que voici, d'accord. Retrouvez cette image-là, c'est peut-être la semaine dernière, peut-être, je sais pas. Et vous avez le A, la partie A, le couplet si on veut. Et la partie B, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que je fais là? Je pars du Do. Ok, et ici, je mets une petite note qui fait du bien au niveau de la couleur parce que ça rejoint un Mi. On est en Mi mineur, mais ça lui fait un Mi mineur. Tout à fait. Ça, je le fais entendre comme la 9e. C'est juste pour ceux qui veulent. Et le deuxième coup. Là, d'un seul coup, ça là, c'est plus la 9e du Mi, mais c'est la tierce du Ré. Et donc ça a deux couleurs différentes. C'est-à-dire j'ai choisi de l'éclairer par deux accords différents. Il y a plein d'autres solutions, mais. Voilà, donc quand une. Thank you.
Il y a un truc sur le rythme harmonique, c'est-à-dire que là j'ai changé ce qu'on appelle le rythme harmonique entre le A, le couplet et le refrain. C'est qu'au début ça fait. Après un tome. Alors qu'après ça fait. C'est comme s'il y avait une espèce. C'est pas une accélération, mais c'est d'un seul coup, les couleurs harmoniques s'exposent plus vite, elles arrivent plus vite, deux fois plus vite. Okay? Et donc, quand tu reviens ici, tu as un sentiment de ce que j'appelle retour à la maison. D'accord? Tu reviens d'un seul coup à un truc, tu reposes. Poète, et après, on a plus de temps. Ok, ben voilà, avec ça et ça, on pourrait vous faire une troisième petite partie pour avoir un morceau complet, mais vous allez vous démerder à trouver une troisième partie si vous voulez, un pont, d'accord? Déjà, je vous le file, d'accord? Si vous voulez l'enregistrer, c'est pour vous, il n'est pas à la SACEM, je m'en tape complètement, c'est un truc que je viens de vous faire, donc ça n'a pas de réelle valeur artistique, hein, c'est juste un truc que je viens de vous pondre pour que vous puissiez le jouer rapidement. S'il vous plaît suffisamment pour en faire une chanson, mettre des paroles, mettre un thème, vous l'approprier, faites-le. C'est pour vous, c'est cadeau. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne... Allez choper le PDF, puis formez-vous, parce que c'est le seul moyen de m'aider. Bye bye. Ciao.